Monsieur le président de la Confédération, en Suisse, les démonstrations, c'est légal. L'armée doit retourner en caserne. Non, vous n'avez pas honoré notre accord. Vous avez appelé l'armée, nous on voulait négocier. C'est vous qui n'avez pas tenu parole. Vous voulez la révolution par la force. Toute tentative bolchevique de renversement sera immédiatement réprimée par notre armée. Monsieur le Président, à Zurich, des soldats tirent sur des ouvriers. Et le divisionnaire Sonderegger fait distribuer des grenades offensives. Grimm, il n'est pas question que le Conseil fédéral accepte que des manifestations reprennent. Des soldats suisses s'en prennent à des ouvriers de notre pays au fusil et à la baïonnette. C'est la guerre civile que vous recherchez. C'est votre faute, Grimm. Votre faute. Monsieur le Président de la Confédération, les conditions de vie de la classe ouvrière se détériorent de jour en jour. La situation est difficile. Vous devez reconsidérer le prix du lait. Ce serait pas Robert Grimm ? Je crois bien que oui. Regarde, il a déjà du ventre, on dirait. Mais son visage est cordial. Il était aussi invité au bal hier soir. J'en sais rien. Tu plaisantes ? T'étais tout le temps en train de l'observer. Enfin, Lise ! Je t'ai bien eu, hein ? C'était le temps de la Première Guerre mondiale qui avait éclaté en 1914, lors de laquelle des millions de soldats étaient mobilisés. Et on enregistrait de plus en plus de pertes. Les armées s'affrontaient avec des armes toujours plus perfectionnées. On ne pouvait plus arrêter la guerre. Quand la guerre a éclaté, tous pensaient, et c'est facilement vérifiable à travers les témoignages, qu'elle serait de très courte durée. Donc, assez rapidement, quand la guerre se prolonge, les armées étrangères ont besoin de munitions, de matériel que, en fait, la Suisse est capable de produire et qui vont impliquer
un développement économique considérable et des bénéfices de guerre qui vont être énormes pendant cette période-là. On peut aussi observer que l'écart entre ceux qui avaient beaucoup et ceux qui n'avaient rien ou peu s'était creusé, c'est-à-dire entre la classe ouvrière et les gagnants de la guerre, les entreprises. La population va souffrir du rationnement, de la crise alimentaire. Les familles des soldats qui étaient mobilisés n'avaient pas d'aide sociale et donc la misère sociale et les difficultés économiques se sont multipliées. Quand une guerre éclate et que l'effort militaire doit être financé, il reste tout simplement moins d'argent pour la consommation et l'alimentation de la population. Ce problème s'intensifie lorsque, parallèlement, le commerce s'oriente très fortement vers les besoins de guerre. De Perrault, enfin. Monsieur le divisionnaire, bonjour. Votre visite à l'armée autrichienne a été riche en enseignements. Coup-ci, coup-ça. Regardez. Ah, mais c'est un obus non éclaté. En allemand, c'est un... Ein Blindgänger, juste. Oui, les Autrichiens ont causé de lourdes pertes aux Italiens. Les Allemands et les Autrichiens ont encore le dessus. Pour l'instant. D'un point de vue militaire, Sonderegger était l'un des officiers suisses les plus doués. Qu'il s'agisse du front italien, allemand ou français, il a fait ses preuves comme commandant de division. Mais c'était là aussi l'un de ses défauts, sa réflexion strictement militaire. Emil Sonderegger était un agitateur dont l'action se fondait sur la force militaire. Côté militaire, la propension à la violence était effroyable. Un Appenzellois, un officier énergique. Les manifestants, les grévistes et les travailleurs organisés étaient pour lui des adversaires à combattre. C'était un militaire, un officier très radical, un fanatique sans scrupules. Ce qui me préoccupe, eh bien, ce sont ces socialistes internationaux, avec leur boniment pacifique. Il va falloir nous préparer au pire, mon colonel. Dans notre pays aussi. C'est juste. Particulièrement ce Grimm, c'est un agitateur vraiment sournois. Grimm, oui, oui. Qui a demandé à Lénine de venir chez nous. Exact. Un homme dangereux. Il te plaît, hein? Eh bien, moi, je trouve qu'il a l'air bien moins dangereux que tout ce que j'ai pu lire. C'est juste, je m'appelle Robert Grimm. Le redoutable chef du comité d'action Dalton pour vous servir. Mais je ne mords pas, soyez sans crainte. Et surtout pas de jolies jeunes femmes. Je peux m'asseoir sur cette banquette? Bien sûr. Vous allez à Berne? J'ai rendu visite à ma fille Jenny dans l'Oberland zurichois. Jenny? Ça c'est drôle. Votre fille a le même prénom qu'elle. Ah. Votre fille a quel âge? 8 ans. Elle vient d'être opérée de l'appendicite. Et qui l'a opérée? Le docteur Kuhn. Il se trouve que c'est mon père. C'est sérieux? Quelle coïncidence. Ou alors le destin. Et vous allez faire quoi à Berne? Je dois voir le président de la Confédération. Pourquoi? Le prix du lait. À Bâle, le congrès ouvrier a convenu de se battre pour éviter une hausse du prix. C'est la famine dans beaucoup de familles de toute la Suisse, et là, à Berne, on augmente le prix du lait.
C'est inacceptable. Quand Robert Grimm fonde le comité Dalton, ce qu'on appellera le comité d'action Dalton, une partie des revendications, c'est justement autour de l'alimentation, autour de les problèmes de l'augmentation des prix, parce que de manière générale, le prix du lait et d'autres produits de base. À l'époque, environ 50% du salaire d'un, disons, salarié moyen est consacré à l'alimentation. Si on ajoute le loyer, les habits, on est à peu près à 75%, 80% de son salaire. On a pu calculer plus tard que l'inflation atteignait environ 100% pendant la guerre. Les prix avaient plus que doublé. Même si la Suisse ne prend pas directement part à la guerre, les soldats sont mobilisés. Ces soldats n'ont ni salaire ni indemnité. Ça veut dire qu'ils passaient un tiers de leur temps à l'armée. À l'époque, l'indemnisation du service militaire n'existait pas. Ça signifie que pendant un tiers de l'année, ils ne touchaient pas même leur salaire, qui était déjà très faible à la base. Ça a entraîné la paupérisation d'une grande partie de la population. L'augmentation du coût de la vie est un peu plus soutenue au Tessin. Et la population est durement touchée. Les responsables envoient donc un message au Conseil d'État. Celui-ci commence avec ces mots. La faim frappe à la porte de chaque famille tessinoise qui vit de son propre salaire. Le pouvoir d'achat réel s'amenuisant, la population ouvrière peinait à acheter des denrées qui devenaient toujours plus chères. Puis à partir de 1917, on va avoir une multiplication de protestations avec des répertoires d'actions assez variés qui vont de la manifestation à la grève. Il y a eu des protestations qui ont été organisées aussi par les associations de femmes contre la vie chère, contre la pénurie. On a commencé assez tôt à installer des réfectoires à Bâle et à Zurich. À Zurich, la mairie proposait des pommes de terre à prix réduit. On tentait de désamorcer la situation. Mais une grande partie de la population ouvrière était confrontée à l'urgence. Elle n'avait pas non plus de réserve. Dites, ce congrès ouvrier que je vous avais signalé à Bâle, vous avez réussi à l'infiltrer ? Selon vos ordres, monsieur le divisionnaire. Bien, et alors ? Ça sentait la révolution, si vous voulez mon avis. Le prétexte du prix du lait, c'est juste une excuse, une astuce de socialo. À mon avis, Grimm et ses acolytes nous mijotent une bonne guerre civile et pas autre chose. Je suis absolument de votre avis. La faiblesse que l'on observe dans la politique fédérale est calamiteuse. Pour contenir cette révolution, il n'y a que des méthodes dures et, osons le dire, brutales qui permettront de faire de l'ordre. C'est bien ça, mon colonel. Il nous faut un plan. Tout de suite. Sans attendre le début de la révolution. Effectivement, le congrès de Bâle... Ce congrès ouvrier était une étape importante parce que du côté du mouvement ouvrier, il y avait cette idée de mieux coordonner les actions des syndicats et du Parti socialiste pour faire pression sur le patronat et sur le Conseil fédéral
pour obtenir une série d'améliorations sociales. Une trentaine de représentants ouvriers ont estimé que la coupe était pleine et que la grève nationale s'imposait. Une majorité était pourtant contre, et lors du vote final, il ressortait clairement qu'une vaste majorité, à savoir plus de 250 voix contre 4, souhaitait poursuivre les négociations. Cet officier de l'armée qui a pu s'infiltrer ne comprend rien aux intentions du mouvement ouvrier. L'espion qui était présent, ce de Perrault, a entendu tout à fait autre chose. Il a surtout compris qu'il régnait une sorte d'atmosphère révolutionnaire en pleine ébullition. Dans son rapport, il a ainsi fait état d'un risque imminent de révolution. On évoque le fantasme d'une révolution. Il dit notamment qu'il faut se préparer à une intervention brutale, qu'il faut agir de façon déterminée et tenter d'empêcher la révolution, non pas quand il sera trop tard, mais l'empêcher tout de suite, qu'il faut neutraliser les leaders et les emprisonner. Il est frappant qu'il parte du principe qu'en cas de grève générale révolutionnaire, l'armée suisse interviendrait trop tard, puisqu'il s'agit d'une armée de milices non mobilisée. Il faudrait alors mener une contre-révolution qui aboutirait à la guerre civile. Il imagine tout cela de façon détaillée. Vous avez raison, c'est brutalement qu'il faut agir. Je suis absolument de votre avis, mon colonel. On y va, écrivez. Contre les insurgés qui lancent des pierres, notre infanterie n'hésitera pas à tirer. Contre les émeutiers qui tirent, on fera, sans sommation préalable, appel aux mitrailleuses pour rétablir l'ordre. C'est noté ? Il nous faut faire parvenir sans délai une copie de cette prise de position à l'état-major général. Bien. Bien, continuons. Aujourd'hui, on parlerait presque d'une caricature. Mais c'est parfaitement compréhensible quand quelqu'un souffre d'un tel décalage de la perception. Quand l'armée et le gouvernement vivent dans une bulle, comme on dirait aujourd'hui, et qu'ils ne voient plus qu'une petite partie de la réalité. Les soucis de la population ouvrière, le point essentiel de ses revendications, ainsi que la volonté du mouvement ouvrier de faire entendre ses doléances de façon sensée, on en fait totalement abstraction ici. Il ne s'agit que de mettre en avant l'importance de l'armée. Contre les révolutionnaires, faisant feu depuis des maisons, ce sont des grenades à main que l'on va engager. Point final. Vous avez suivi ? Ah oui, des grenades, bien sûr, contre les tireurs. Nina, non, scusami, amore. Non, sempre in caserna. No, perfetto, non aspettarmi. Non, tu sais, on a encore bien à faire, je t'assure. Oui, hélas, c'est important, ça, oui. Oui, anch'io. Ciao. Oui, on en était où, de Perrault ? Aux grenades, contre les tireurs. D'accord. Contre tout bâtiment occupé, on se protégera grâce aux grenades et à l'artillerie, selon les besoins. Il s'agit là d'une énorme erreur d'interprétation. Le mouvement ouvrier zurichois n'aurait absolument pas été en mesure de fomenter une telle insurrection. Ils ont toujours cru que les arsenaux seraient pris d'assaut. Or, ces ouvriers organisés, qui étaient en fait des soldats qui n'avaient pas été incorporés, n'ont même pas récupéré leurs fusils. Et
et dire que cette guerre dure déjà depuis 4 ans. C'est de la folie. Je pense à ces millions de morts. Je pense à ces millions de gens qui souffrent. C'est ça. Et nous, les sociodémocrates, voilà ce que nous voulons. Stopper cette folie. Vous n'êtes pas les seuls. J'ai pu lire des brochures et des articles que vous venez d'écrire. Ce que, par exemple, vous avez rapporté au sujet de cette conférence de Zimmerwald, ça m'a beaucoup plu. Robert Grimm a d'abord tenté d'empêcher la guerre. Il soutenait le mouvement pacifiste, et quand la guerre a éclaté, il a évidemment dû se réorienter. Il s'est avant tout penché sur les courants révolutionnaires qui ont donné suite à la conférence de Zimmerwald en septembre 1915, puis en avril 1916 à Kintal, en Suisse. C'est Robert Grimm qui a organisé cette conférence de Zimmerwald. Avec des réfugiés russes, notamment Karl Radek et un certain Ulyanov Guy Lénine, qui était un des dirigeants de la social-démocratie russe à l'époque. Ils vont se réunir d'abord à Zimmerwald, de manière très secrète et sous des pseudonymes pour ne pas attirer l'attention de la police. Et ils vont lancer un appel à la solidarité internationale pour mettre fin à la guerre. Ils ont réuni des pacifistes socialistes de différents pays, des deux côtés du front. Les sociaux-démocrates officiels, allemands et français, ne s'adressaient plus la parole. Mais à Zimmerwald, Robert Grimm est parvenu à réunir les courants minoritaires des deux partis et à favoriser l'échange, ce qui lui a valu une fantastique réputation internationale. Lénine était aussi à Zimmerwald, non? C'est sûr. Et alors? Alors quoi? Ce Lénine, décrivez-le-nous. Toi, t'es bien curieuse. Un conseiller national a sûrement mieux à faire que de papoter avec nous deux, j'imagine. Non, non, ça ne me gêne pas. Mademoiselle Kuhn? Bah oui. Pour une fois qu'on rencontre quelqu'un qui connaît des gens importants, qui feront peut-être l'histoire. Oui, eh bien, Vladimir Ilitch Lénine, eh bien, il ne serait pas venu ici sans moi. Ils en ont pas voulu quand il est arrivé à Boux. Il craignait qu'il réclame une aide pour indigents. Il a seulement pu entrer quand je me suis porté garant pour lui. J'ai entendu dire qu'il avait une maîtresse à Berne. C'est vrai? Une musicienne de Paris. Ah là, on peut dire que vous êtes bien informée, mademoiselle. Rueg. Rueg. Je n'ai qu'une chose à dire. Le camarade Lénine n'est pas différent des autres. Non, sûrement pas. Selon moi, mademoiselle, cet homme est dangereux. Il ne reculera devant rien pour servir ses intérêts. On le remarquait déjà quand il était en Suisse. Lénine voulait la dictature du prolétariat. Il fallait l'obtenir de force, car on ne croyait pas que la bourgeoisie renoncerait d'elle-même à ses privilèges. Robert Grimm devient très vite un opposant radical, un adversaire de Lénine. Lénine exigeait l'action directe, la révolte armée, la conquête du pouvoir. Eroberung von der Macht. Et puis, évidemment, cette situation va s'accélérer avec la grande révolution russe, si vous voulez, la révolution sociale et politique russe de octobre 1917. Robert Grimm a su très tôt ce qui se passait en Russie. Pour lui, il était clair qu'il s'agissait d'un régime dictatorial. Aujourd'hui en Russie, Lénine et ses bolcheviks ont déjà des milliers de morts sur la conscience. Il est vrai que ça fait peur. On songe à l'avenir de la Russie, mais c'est aussi notre avenir à nous tous. Ce qu'on veut avec les sociodémocrates de ce pays, c'est une révolution pacifique. C'est pour ça qu'on a pris la décision au Congrès ouvrier de Bâle de négocier avec le Conseil fédéral.
Entrez, Grimm, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vais vous faire part de nos préoccupations. Asseyez-vous d'abord, monsieur le conseiller national. Merci. J'ai demandé à vous rencontrer pour parler du prix du lait. Je sais que de nombreuses familles ont des vies difficiles. La Confédération est prête à leur venir en aide. Et pour peu que les salaires augmentent, les choses devraient s'ajuster. Monsieur le Président, je ne vais pas tergiverser. Soit la Confédération révoque l'augmentation déjà prévue du prix du lait, soit le comité Dalton va appeler la population à la grève générale. Une grève générale? Mais vous n'êtes pas sérieux, Grimm. Vous savez ce que ça signifierait pour le pays? Il faut à tout prix éviter ça. C'est pour ça que je suis là, monsieur le Président. C'est bien pour négocier. Je ne doute pas qu'avec vous, je puisse trouver un arrangement, mais est-ce que je vais pouvoir faire confiance aux forces révolutionnaires de vos cercles? Vous les avez sous contrôle? Parce que pendant ce congrès ouvrier-là, à Bâle, on aurait pu vraiment se croire en Russie chez les bolcheviks. Ah ah. Vous avez donc écouté. On vous aura donc aussi fait savoir ce que le congrès a décidé. Sans appel, par 277 voix contre 4, on négocie avec le Conseil fédéral. D'accord. Quelle est votre suggestion? Elle est simple comme tout. Vous révoquez l'augmentation du prix du lait, et il n'y aura pas de grève générale. Mmh. Bien. Je vais donc en informer les autres membres du Conseil fédéral. Merci. Merci à vous. On peut dire néanmoins que Callender semble au début ouvert au dialogue. Il comprend que la situation économique, mais aussi sociale, est difficile. On en arrive donc à une discussion entre le président de la Confédération Callender et Robert Grimm. On veut trouver une solution à l'amiable entre ces deux pôles de puissance opposés qui cherchent le dialogue. Camarades, Berne a révoqué l'augmentation annoncée du prix du lait. Bravo. Bravo. Le fait de négocier en les menaçant d'une grève générale a porté ses fruits. Bien, bien joué. Cette augmentation du prix a été répartie entre les différents acteurs concernés. Le résultat étant au final favorable pour le comité d'Holton. Le comité d'action d'Holton s'est saisi du problème et a ensuite pu empêcher avec succès l'augmentation du prix du lait. En ce sens, le comité d'Holton, en usant de cette menace de grève générale, a eu finalement le dessus. Mon divisionnaire, lisez-moi ça. Bien caché dans les pages du Volksrecht. Donnez-moi ce torchon. Où ça? Là. Mais où? Ici. Ah oui, c'est là. Alors, jeunes gens, profitez de l'interdiction de rassemblement pour vous instruire. Lisez, travaillez. Faites des excursions. Le comité responsable vous conviera dans quelque temps à une action. Soyez donc prêts, réservés. Le 10 novembre. C'est un signal codé et un appel à l'insurrection. Pour le 10 novembre. Qu'est-ce que j'ai attendu cet instant? Ils sont démasqués. Réservez le 10 novembre. On dirait quasiment une invitation publique à la révolution. Quand on lit cela, il y a de quoi se poser des questions. Qu'un commandement militaire puisse se servir de tels indices démontre à quel point les preuves étaient risibles d'un point de vue actuel. On voulait à tout prix trouver une preuve concrète qu'un potentiel danger émanait de Zurich.
La réunion entre le Conseil fédéral et le Conseil d'État zurichois a d'ailleurs eu lieu le soir même. Et cette coupure du journal a été fournie comme preuve qu'il fallait agir et envoyer des troupes à Zurich. C'est incroyable. Un appel à l'insurrection, c'est bien ça. Grimm m'a menti alors. Tout à fait, Monsieur le Président. De manière délibérée. Nous devons réagir. Sans perdre une minute. Mobilisons tout de suite et cette révolution sera matée dans les plus brefs délais. Vos troupes sont à pied d'œuvre. Elles sont prêtes, oui. Et un vrai plan d'intervention a été établi par l'état-major. Très bien. Vous avez l'appui du Conseil fédéral, monsieur le divisionnaire. Monsieur le Président. Vous pouvez disposer, monsieur Sandelager. Messieurs. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Silence! Messieurs, je me dois de vous informer que le Conseil fédéral a décidé de mobiliser l'armée. La révolution que vous aviez prévue est réprimée. Mais enfin, et pourquoi, s'il vous plaît? Je le répète pour vous, monsieur Grimm. Le gouvernement nous a demandé d'empêcher les bolcheviks comme vous de nuire. C'est compris? Le comité d'Olton était sous le choc. Quand les troupes sont entrées à Zurich, ils siégeaient à Berne et ne savaient rien du tout. Ils ont dit « Nous avons été totalement pris au dépourvu ». Ils étaient coincés. S'ils acceptaient la situation, ils perdaient tout leur prestige et toute position de négociation. Celui qui accepte un tel affront démontre qu'il n'a aucun pouvoir. J'ai encore rien avalé aujourd'hui. Faut dire que j'ai pas eu le temps. Mon pauvre chéri. Du pain? Merci. Tu sais qu'il y a partout des soldats dans les rues. Il se passe quoi, chérie? Le Conseil fédéral prétend qu'on se prépare à mettre sur pied une révolution. Il a pourtant accepté ta proposition sur le prix du lait. Oui, c'est sûr. Il semble que les fauteurs de troubles se sont fait entendre. Tout ça pour un tout petit avis dans le Volksrecht. 5 lignes. Tu vois? C'est une plaisanterie. Des excursions? Le Conseil fédéral et l'armée ne peuvent pas nous faire ça. Et vous allez faire quoi maintenant? Appliquer un de nos vieux compromis, la grève de protestation. Limitée dans le temps. Ce sera malgré tout un avertissement pour le Conseil fédéral et pour l'armée. Vous ferez quoi s'il n'y a pas de réaction? Aucune idée. Encore un peu de soupe? Non, merci. J'en ai assez. Vous aviez un autre choix? J'espère que tout ça sera terminé bientôt. Parce que je peux plus attendre d'aller danser avec toi. Oh oui. Quand tout sera derrière nous, on fêtera ça. Tu verras, chérie.
La troupe voulait se montrer. Elle paradait fièrement. Elle voulait intimider la population, afin que personne ne songe même à affronter une telle force. On peut aussi voir que l'apparence de la troupe avait changé. L'infanterie avait un casque en acier. Il a été introduit à cette époque. Il était censé inspirer de la peur aux travailleurs. Ils avaient aussi des armes ultramodernes, des mitrailleuses. Durant les premières années de la guerre, elles étaient encore peu nombreuses et destinées au combat contre un ennemi extérieur. Mais dans les villes, leur effet était absolument terrifiant et effrayant. Une mitrailleuse est également un symbole de par son caractère impitoyable. Une machine qui tire automatiquement dans les rues, cela a laissé une impression particulièrement martiale. Ah, Robert. En Allemagne, nos camarades socialistes ont pris le pouvoir. L'empereur Guillaume a dû abdiquer. La guerre est pratiquement finie. C'est le début d'une nouvelle ère. Vous avez entendu? La classe ouvrière au pouvoir. Ça doit aussi être possible chez nous. Le 30 octobre 1918, les marins de Kiel refusent un ordre du haut commandement de la marine qui leur disait d'attaquer l'Angleterre ou d'attaquer des bateaux anglais. Et cette émeute, cette sorte de révolution locale va très rapidement s'étendre dans le reste de l'Allemagne, vraiment à une vitesse tout à fait incroyable, puisqu'il y a une révolution en Bavière, en particulier donc à Munich, où les conseils de soldats et d'ouvriers s'emparent du pouvoir à Munich et proclament une république socialiste à Munich, donc dans la région voisine de la Suisse. Et les 9, 10 novembre, les mouvements de grève culminent aussi dans la région berlinoise avec le déclenchement d'une immense grève dans la ville de Berlin qui amène à l'abdication de l'empereur Guillaume II. En Allemagne, la République est proclamée par le SPD. C'était un changement de taille. L'Europe est en plein bouleversement. L'Allemagne et la Russie vont s'effondrer, les deux empires considérables de l'époque. La Russie en 1917, avec la révolution qui fait tomber le tsar, et ensuite la révolution d'octobre avec les bolcheviks qui étaient dirigés par Lénine. Monsieur le colonel divisionnaire, réunion interdite sur la Fraumünsterplatz. À dissoudre, tout de suite. Et si quelqu'un refuse les ordres, il va falloir employer les armes. Évitons que le chancre russe ne gangrène Zurich. À vos ordres, mon divisionnaire. Mais permettez que je vous signale... Perrault, cette fois ça y est, c'est bien une révolte armée. Veillez à ce que l'on respecte toutes les dispositions. Oui. Ah, et apportez-moi les affiches. Oui, à moi, au bureau, c'est ça. La population et les grévistes se sont rassemblés sur la Fraumünsterplatz. Emil Sonderegger avait pourtant interdit tout rassemblement. Autre chose, Hollenweger ? Je tenais à préciser que nous sommes en sous-effectif. Les manifestants sont au nombre de 7000, mais nos effectifs ne se montent qu'à 55 soldats. Pourquoi ? Épidémie de grippe. Les hôpitaux sont pleins, même qu'il a fallu réquisitionner des écoles. Quel désastre ! Die spanische Grippe
La grippe espagnole qui a ravagé toute l'Europe à la fin de la Première Guerre mondiale a été impitoyable et a fait d'innombrables victimes. Dans le monde, on estime à 25 millions, voire jusqu'à 50 millions le nombre de morts. En Suisse, on suppose que la grippe a causé 25 000 décès. Les services militaires de santé étaient dépassés. Ils ne savaient plus où donner de la tête. Des dispensaires privés étaient ainsi souvent mis à disposition. Des centaines de malades étaient soignés dans des salles de gymnastique. Est-ce qu'il faut se retirer ? En aucun cas. Tirer des coups de semonce pour faire fuir les manifestants. Monsieur le colonel divisionnaire. Et voilà. Ah, c'est ça. Très bien. Bien. Je veux une affiche à chaque coin de rue de cette ville. Est-ce clair, Hollenweger? Si les insurgés tirent sur les soldats, on fera usage de grenades. Il faut nous préparer au combat urbain. Le combat urbain? Vous êtes dur de la feuille? Allez, rompez, et presto! À vos ordres! Bien entendu, on ne peut pas dissoudre un tel rassemblement avec 50 soldats. Il faut des effectifs beaucoup plus importants, à moins de tirer sur les masses. Tactiquement parlant, ils ont fendu la foule et ont tiré des coups de semonce, conformément aux ordres du lieutenant. Il y a eu quelques blessés par des balles perdues, ainsi qu'un soldat tué. Mais on ne sait pas exactement d'où provenait la balle. À l'époque, on disait qu'elle ne pouvait pas provenir d'un militaire. Mais il faut toutefois savoir que de telles enquêtes, surtout quand les forces militaires étaient en cause, étaient menées de façon déplorable. Monsieur le président de la Confédération, en Suisse, les manifestations, c'est légal. L'armée doit retourner en caserne où nous déclarerons la grève générale. Grève générale ? Foutaise ! Vous avez bafoué notre accord. Vous avez appelé l'armée, nous on voulait négocier. C'est vous qui n'avez pas tenu parole, vous voulez la révolution par la force. Toute tentative bolchevique de renversement sera immédiatement réprimée par notre armée. Monsieur le président, à Zurich, des soldats tirent sur des ouvriers. Et encore mieux, le divisionnaire Sonderegger fait distribuer des grenades offensives. Grimm, il n'est pas question que le Conseil fédéral accepte d'autres manifestations parce que très vite ce pays ressemblerait à la Russie. Des soldats suisses attaquent des ouvriers de notre pays au mousqueton et à la baïonnette. C'est la guerre civile que vous recherchez? C'est votre faute, Grimm. Votre faute. Notre rébellion est pacifique. Grimm, le Conseil fédéral veillera à ce que toute nouvelle manifestation soit muselée par notre armée. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, oui. L'histoire jugera un jour qui avait raison, monsieur le président. Il est un leader et un excellent agitateur. Et il est particulièrement dominateur, usant d'arguments adossés au marxisme. Un chef ouvrier très déterminé, très autoritaire, mais aussi charismatique. Robert Grimm a ensuite pu se hisser au rang d'interlocuteur unique des sociodémocrates auprès du Conseil fédéral. Camarades, il est inacceptable qu'on tire sur des ouvriers. La grève générale, elle peut aboutir à un bain de sang, voyons. Mais tu sais qu'il n'y a pas d'autre choix.
Grève générale, dans toute la Suisse. Pour Grimm, cela devenait clair. Si on voulait garder le contrôle du mouvement et éviter qu'il ne se développe qu'à Zurich, et pour rester ferme face au Conseil fédéral, on devait recourir à l'outil de la grève générale nationale. Et il était poussé par l'Arbeiter Union de Zurich qui a dit « Nous, on commence la grève générale ». Et ensuite, le problème de Grimm et de la direction du comité d'Olten, c'était s'il ne faisait rien, il risquait de perdre le contrôle. Il faudrait avoir la participation de toute la social-démocratie. Les Tessinois ont fait la grève cet été et ont paralysé la ville de Lugano. Ils seront sûrement des nôtres. Je suis pas sûr que ce soit le cas. À l'époque, c'était Carnevacini qui menait les Tessinois. Il a la grippe depuis 2 semaines. Et avec nos amis romans, Auguste, tu connais la situation là-bas? Tu crois que tu pourrais y aller? C'est que les Alémaniques sont pas trop appréciés en Romandie, non? Oui, mais on n'a personne d'autre. Et toi, tu as séjourné des années en France, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Demain, je suis dans le train pour Lausanne. Je viens avec toi, Auguste. Très bien. Bien. Pour la grève générale, il nous faut une liste de revendications. Mais l'essentiel, c'est la semaine de 48 heures. Et impératif, l'assurance vieillesse et survivant. Et aussi le suffrage féminin. Tu as tout. Et puis nous exigeons le scrutin proportionnel. Il faut qu'enfin, au Parlement, on soit représenté comme on le mérite. Oui, très bien. La grève générale était une grève en grande partie presque improvisée. La liste de revendications relevait en effet de l'improvisation. C'était simplement des questions à l'ordre du jour à l'époque. De Perrault. Monsieur le colonel divisionnaire, on vient de me signaler une information issue à l'instant des services de renseignement rattachés à notre unité. Qui dit quoi? L'Allemagne et l'Autriche viennent de capituler. Ah. Là, c'est grave, colonel. La révolution va éclater. Les bolcheviks, oh, que Dieu nous en préserve. Grimm et ses acolytes vont répéter ça ici. Vous voyez? Quelle chance que nous, on soit prêts à tout. L'effondrement de l'Allemagne et catastrophique pour ces officiers formés sous le modèle prussien avec le prestige de l'Allemagne considérable. Et donc, ils prennent toute une série de mesures pour essayer d'éviter cette contagion révolutionnaire peut pénétrer en Suisse. Toute l'élite suisse alémanique avait étudié en Allemagne un jour ou l'autre. Il existait un échange intensif. On craignait une éventuelle réaction en chaîne. On savait ce qui s'était passé en Russie. Et on avait peur qu'un régime socialiste puisse désormais éclore en Allemagne aussi. Tous les responsables militaires savaient que leur temps était échu. Pour eux, la fin de la guerre signifiait en principe le retour à la caserne et au quotidien, l'adieu au grand pouvoir. Camarades, je vous présente Auguste Hugler. Il est le secrétaire du syndicat des employés des chemins de fer et il est venu de Berne, aujourd'hui,
pour vous inciter à participer à la grève générale. On n'en a rien à faire de Zurich. Écoutez-le, au moins. Laisse-moi faire. Camarade, à peine arrivé ici, chez vous, à Lausanne, j'étais arrêté par la police. Ils m'ont enfermé pendant presque 2 heures dans une cellule minuscule. Et pourquoi tout ça? Parce que je suis venu vous informer des décisions, en l'occurrence prises à Berne, et pas Zurich. C'est toujours Zurich qui décide! En Suisse romande, on a un contexte qui est un petit peu différent, parce que on est assez joyeux de la fin de la guerre et de la signature de l'armistice. Le 11 novembre 1918. Donc on n'est pas vraiment dans une ambiance de protestation et de révolte. En Suisse romande, il y avait une francophilie qui était de plus en plus importante au cours de la Première Guerre mondiale. Et la victoire de l'armée française en 1918 a encore renforcé cette francophilie. Et donc l'idée en novembre 1918, c'était qu'il fallait fêter la fin de la guerre et non pas se lancer dans un mouvement de protestation. Le comité d'Olten était dénigré dans la Suisse romande comme étant le Soviet Bosch de Olten, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui allait avoir avec la révolution russe et avec la révolution allemande, donc quelque chose qu'il fallait refuser. Camarades, je sais que vous croyez que la grève est dictée par Zurich, mais c'est faux. Vive la France! Un jour allemand! Arrêtez, je représente les ouvriers suisses, vous tous. Camarades! Camarades! L'armée occupe la gare! On est encerclés! C'est une honte! Laissez parler Auguste! Camarades, les soldats ont tiré sur des ouvriers à Zurich. Ils ont tiré sur des êtres humains qui manifestaient de manière pacifique pour de meilleures conditions de vie. On ne peut pas laisser faire le pouvoir bourgeois. Il faut que ça cesse. Camarades, soutenez l'appel à la grève générale. Arrive alors celui qui met tout son prestige dans la balance. Il dit que l'heure n'est pas à la discussion, que ce temps viendra plus tard. Pour le moment, il s'agit de savoir si une grève nationale peut mener le gouvernement bourgeois à accepter les revendications, ou si tout est perdu d'avance. C'est vrai que ça a été arraché un peu de justesse, en fonction des personnes qui étaient absentes, et puis en fonction aussi d'une mobilisation militaire qui a occupé la gare de Lausanne. Et puis, c'est une dimension qui est un petit peu anecdotique, mais le chef de gare aurait été prié de quitter son bureau, et ce qui l'aurait poussé finalement à accepter cette grève générale de la part des cheminots. Nina, la situation est très très sérieuse. Les socialistes suisses veulent amener dans notre pays la révolution du prolétariat. Quoi da noi in Svizzera? Bolscevichi schifosi. Però tu non li lasci fare, vero, amore mio? Oh, allora là, fais-moi confiance. Sta tranquilla. Si dice che in Russia comanda la plebe. La proprietà privata non c'è più. Tutto appartiene a tutti, al collettivo. Je sais. Ouais, lo so. Per prendere la nostra casa devono prima passare sul mio cadavere. Ma délicieuse et vaillante Nina. Mais le courage. Ça ne suffit pas par les temps qui courent. Non si sa mai. Grazie.
mieux que mes officiers, chérie. Che dici, stupidino? Mio padre era maresciallo dai carabinieri. Ah. Robert. Un problème avec ton père? Non. Un télégramme des camarades de Vienne. L'empereur d'Autriche a abdiqué. L'empereur Charles Ier d'Autriche a abdiqué. Longue vie au socialisme international. Cette dynamique, exploitons-la. Avec la grève générale, on peut changer ce pays pour toujours. Auguste, t'as entendu? Quoi? L'empereur d'Autriche a abdiqué. Non. Alors il se pourrait qu'on soit bientôt au gouvernement? Peut-être. Et comment c'était à Lausanne? C'était pas facile, non, mais on a gagné. Les camarades romans sont partants. Ben bravo, mon cher. Les cheminots ont eu un rôle très important durant la grève générale, tout simplement du fait qu'ils ont pu relier les centres urbains aux zones un peu plus rurales, ce qui a permis une circulation des idées, qui a permis une grève justement plus généralisée. Ils se sont engagés et ça a été un facteur important pour paralyser certains pans de la production industrielle. À Bellinzona, la grève a débuté tout de suite. Et ce, grâce à un personnage. Giuseppe Simone. Il entend parler du début de la grève en Suisse alémanique. Il enfourche son vélo à Airolo et part informer toutes les gares jusqu'à Bellinzona. Les cheminots se mettent ainsi en grève d'Airolo à Bellinzona. Donc on fait grève et donc les trains ne circulaient plus. Ça voulait dire fondamentalement que les salariés qui habitaient dans les banlieues ou lointaines ou qui n'habitaient pas au centre des villes ne pouvaient plus aller à leur travail. Ça voulait dire que les déplacements n'étaient plus possibles. Et ça a donné un caractère vraiment de grève générale, si vous voulez, même si le centre a été en Suisse alémanique. Quartiers ouvriers de Zurich sont occupés militairement. On constate un véritable climat de guerre civile. À Zurich, la confrontation est très violente. L'armée intervient de façon massive, avec partout des mitrailleuses et la cavalerie. Dans les deux grandes villes de Zurich et de Bâle, vous avez une atmosphère presque de semi-occupation militaire ou d'occupation militaire où tous les rassemblements ouvriers sont interdits, donc disons de semi-occupation militaire ou de semi-dictature si on veut. En regardant les photos de la grève générale, il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup, on voit les ouvriers en habit du dimanche, défilant de façon ordonnée. Dans la plupart des endroits, les organisateurs de la grève ont tenté d'imposer une certaine discipline. Surtout, on se met immédiatement d'accord sur le fait de ne pas servir d'alcool pendant la durée de la grève. «
cause de ces bolcheviques de merde comme vous qu'on est là. Au revoir. Le Parlement a été convoqué sur ordre du Conseil fédéral. Les 200 parlementaires se sont réunis à Berne, dont les 22 sociodémocrates de l'époque, soit les membres du comité d'action d'Olten. Vous, monsieur le député Grimm, avez, avec votre grève générale, avez entraîné notre pays dans une voie dangereuse. Et nous nous trouvons aujourd'hui face à des perturbateurs de tous ordres. Et des zélateurs des bolcheviques et de leurs théories qui s'efforcent de répandre d'effrayantes et atroces méthodes pour déstabiliser le pays. Face à la grève générale que nous vivons, l'agitation sociale a atteint de telles proportions que le Conseil fédéral, pour garantir à la fois tant l'ordre que le calme, s'est vu contraint de mobiliser 4 régiments d'infanterie et 4 brigades de cavalerie. Nous ne céderons pas au chantage. Que Dieu protège notre patrie suisse. Je vous le concède, monsieur le président. Messieurs, oui, nous autres sociodémocrates sommes des révolutionnaires. Mais des révolutions de type pacifique, cela existe. Taisez-vous ! Mais les moyens de ce bouleversement révolutionnaire, vous n'allez pas les trouver dans la classe émergente, monsieur. Car ils proviennent de la classe dirigeante elle-même, de votre manière de vivre. Une révolution pacifique, disiez-vous, Grimm ? J'ai ici un télégramme du Parti social-démocrate de Suisse, intercepté par notre service de renseignement qui dit « Au commissariat populaire de la République soviétique de Russie, notre salut et tous nos vœux à l'occasion de l'anniversaire de la révolution socialiste. Le prolétariat du monde entier se soulève contre le plan inique des impérialistes d'étrangler les heures naissantes de la Russie socialiste. Salut fraternel, le Parti social-démocrate de Suisse. » Est-ce là l'expression d'un mouvement pacifique, monsieur le conseiller national Grimm ? Vous déclarez que la grève générale est d'ordre criminel. Mais nous, nous sommes de l'avis que le crime se trouve dans l'acte d'envoyer l'armée combattre ses propres citoyens. Vous nous dites que la grève générale est un moyen violent. Mais ont-ils des armes, nos ouvriers ? Ou même des mitrailleuses ? Enfin, il n'y a jamais eu cette idée de révolution en Suisse. Je crois que c'est Lénine qui disait le pays, la Suisse, ce n'est pas le pays des révolutions, c'est le pays des réunions et des organisations. Et il y a eu un ou deux éclats, mais ce n'est pas comparable avec les confrontations que d'autres pays autour de la Suisse ont pu expérimenter en Italie, en Russie, en Allemagne ou en France à la même époque. Nous refusons d'être toujours exploités. Nous voulons la semaine de 48 heures et aussi plus de droits démocratiques. Vous parlez de droit, monsieur le député. La grève générale est un moyen de chantage. On n'y cédera pas, vous avez 24 heures. Que voulez-vous dire par 24 heures ? Un ultimatum. Vous connaissez le vrai motif de la grève, la mobilisation. La grève générale est notre seul moyen de riposte contre cette provocation. Dans 24 heures, cette grève ne sera plus qu'un souvenir. Sinon, je vous fais arrêter, vous et le comité d'Olten. Ce serait la guerre civile, monsieur le président. Dont vous seriez responsable, et ça vous le savez, Grimm. C'était sans doute un débat très houleux, parce qu'il s'agissait de décider si l'armée devait tirer sur le peuple ou non. Je dirais que Grimm a espéré jusqu'à la fin qu'il serait possible d'éviter l'épreuve de force, qu'on pourrait encore contraindre les bourgeois à négocier. C'est le Conseil fédéral qui l'ont fait, à mon humble avis. Il voulait l'affrontement. Ils pensaient que la situation était en train de se dégrader. Ils étaient très inquiets, bien évidemment, de ce qui se passait
en Allemagne, en Autriche, j'ai expliqué, et je pense qu'ils ont cherché l'affrontement. Et à un moment donné, ils ont voulu l'affrontement. Alors, comment ça s'est passé? Pas bien. Si ça continue, on aura un bain de sang, c'est sûr. Et là encore, je serai fautif. Mais non. Les fautifs, c'est l'armée et les extrémistes zurichois. Pas toi. Tu ferais quoi si tu pouvais être à ma place, Yanni? Je crois bien qu'il faut que tu arrêtes cette maudite grève. S'il y a des morts, tu t'en voudras toute ta vie. Alors, vous vous appelez comment? Burgi Joseph, monsieur le divisionnaire. Non. Camarade Burgi. Camarade. Bien. S'il vous plaît, souvenez-vous de ça. Oui. Vous infiltrez cette assemblée, donc vous écoutez discrètement ce qui se dit. Hein? Une seule chose nous intéresse. Est-ce qu'ils vont continuer ou stopper la grève? Vous m'appelez sans délai dès qu'ils auront pris la décision, compris? Compris. Monsieur le divisionnaire? Mon lieutenant. Il vous faut un code. Vous ne serez peut-être pas seul à téléphoner. Un code? Oui, une ânerie quelconque. Oui, disons, le gruyère est plus cher si la grève continue. Et le gruyère va être moins cher si la grève est interrompue. Très bien. Répétez-moi ça. Le gruyère plus cher si la grève continue et gruyère moins cher si elle est stoppée. Compris. Vous pouvez disposer, camarade Burgi. Ne marche plus. Et devant le local, ils ont placé des soldats avec la baïonnette au canon. Ils veulent à la fois nous intimider et nous isoler. Cela faisait partie des procédures militaires de recourir à un service de renseignement et que des gens s'infiltrent pour être au plus près de l'adversaire. Un jeune officier est ainsi parvenu à s'infiltrer comme espion. Camarade! Ce que l'armée et les classes dirigeantes veulent provoquer, c'est l'angoisse et la désunion, pour qu'on se décide à interrompre notre grève. Mais nous ne devons pas nous laisser intimider. Regardez l'Europe, partout le pouvoir passe en mains socialistes. Et je ne mentionne pas la Russie. Nous ne pouvons pas comparer la Suisse à la Russie. Nous ne voulons pas d'insurrection armée, nous ne voulons pas de bain de sang. Camarades, c'est le moment de nous décider. Poursuivre l'action ou abandonner? Abandonner veut dire qu'on va perdre la face, mais... Et là, il ne faut pas se faire d'illusions. Poursuivre comme ça signifie guerre civile. Un bain de sang. Des soldats en armes contre des ouvriers sans aucune arme. Des femmes. Des enfants. On veut vraiment ça? Et qu'en pense notre conscience? La Suisse se trouvait alors au bord de la guerre civile. Mais il faut bien voir que dans l'ensemble, ce n'est pas la gauche qui cherchait l'affrontement. Ce n'est pas la gauche qui a dit qu'il fallait transformer ce conflit en une guerre civile, parce que c'était la seule façon de renverser le pouvoir et d'imposer ses revendications. La social-démocratie suisse ne l'a jamais interprété ainsi. Mais au cœur de l'action, quand ces deux puissances se sont affrontées avec une telle violence, on peut dire qu'il y a eu des moments où le risque de guerre civile était vraiment réel. On va passer au vote. Qui est pour qu'on mette fin à la grève? Qui est pour qu'on continue?
Le vote est clair, la grève est interrompue. Bande de lâches. Qu'est-ce qui te prend, Robert? Pourquoi tu votes pour continuer? Tu viens de parler de guerre civile. Lui-même était tiraillé. Il avait finalement voté pour la poursuite de la grève après en avoir exposé les risques. Mais la majorité a voté en faveur de l'interruption. Il n'arrivait pas à s'avouer que la grève devait être interrompue. Et qu'il ne pouvait plus avoir la moindre exigence face au Conseil fédéral. Mais Robert Grimm était aussi un tacticien rusé. Il était conscient que l'interruption de la grève sans concession serait interprétée par la partie adverse comme une capitulation de la classe ouvrière. Et ça, en tant que leader, il ne pouvait pas se le permettre. Je suppose qu'il est parti du principe que, une fois devant les travailleurs en colère, il aurait ainsi une meilleure position. Les ouvriers estimaient qu'on avait capitulé honteusement, sans la moindre concession du Conseil fédéral. Une déconfiture totale, en somme. C'était un échec dans le sens où ils ont capitulé. Le Conseil fédéral a dit, vous arrêtez la grève, et puis ils ont arrêté la grève. OK. Donc, première impression, premier bilan, c'est un échec. Oui ? Allô ? Le gruyère va être moins cher. Vous êtes sûr, Roland Vega? Je répète, le gruyère va être moins cher. Moins cher. Moins cher. Frousse rêveux, en plus. Cosa c'è, tesoro? Nel cuore della notte, poi? Lo sciopero n'est pas poursuivi. Oui, tu vois? Ouais, ils ont tout à coup la trouille, les démocrates, hein? C'est un ramassis de lâches, ces gars-là. Allora hai vinto. Ma che c'è? On ne va plus pouvoir les éliminer. Robert! Ernst? À Grange, trois ouvriers ont été tués, abattus par l'armée. Quoi? Mais la grève est terminée. Un contact à Grange va nous téléphoner, on en saura un peu plus. Salopard! On fait des compromis pour le bien du pays, on perd la face, et on a ça en retour. L'armée et la bourgeoisie sont de mèche, hein, comme toujours. On s'est peut-être trompé, Ernst? Oui, peut-être. Mais patience, il nous faut plus d'informations. À Grange, la grève générale était assez violente. Des voies de chemin de fer y ont été bloquées avec des pierres et des barrières. Suite à quoi, un bataillon roman a été dépêché sur les lieux, car on voulait absolument que les trains continuent de rouler. On aboutit à une intervention militaire précipitée. Les grévistes ne réagissent pas à l'injonction d'évacuer le terrain. On ouvre le feu, résultat, trois morts. Encore quelques centimètres à droite, monsieur le divisionnaire. Voilà, ça c'est bien. Mon colonel divisionnaire, une dépêche qui nous vient de Grange.
Trois manifestants ont été abattus par des soldats romans du bataillon de fusiliers 6. Quand ? Cet après-midi, mon divisionnaire. Une manifestation spontanée, vous savez, que nos troupes ont rapidement réprimée. Y a-t-il des pertes dans nos rangs ? Aucune. Très bien, mon colonel. Transmettez mes félicitations aux participants. Mes ordres restent en vigueur même si la grève est terminée. Et tout rassemblement doit être empêché. Nous ne voulons pas de bolchevisme révolutionnaire dans ce pays. Bien sûr. Honneur à toi, Helvetia. De nouveau à gauche. Là, c'est bien. On ne bouge plus. Et... Émile Sonderegger était fortement influencé par Ulrich Wille. Il voulait apparaître énergique et autoritaire pour plaire à son mentor. Les cheminots ont payé un très lourd tribut à leur grève, hein, ils ont perdu leur travail. On a ouvert plus de 3000 procédures contre les cheminots. Il y en a beaucoup qui ont été condamnés. Les personnes qui étaient à la tête du comité Dalton ont également écopé de peines de prison. Robert Grimm a été condamné à 6 mois de prison. Après la fin de la grève, les principaux acteurs, que ce soit les entreprises ou les pouvoirs publics, sont conscients qu'ils doivent réagir, qu'ils doivent changer quelque chose, parce qu'il était clair que les troubles ne cesseraient pas de sitôt. Ce que la grève générale a illustré, également au niveau symbolique, c'est qu'on ne peut pas exclure des couches sociales entières du jeu démocratique. La bourgeoisie a compris que cette façon d'agir avec le mouvement ouvrier ne fonctionnait pas, surtout si on se contentait de se fier aux stratégies militaires. Elle avait certes triomphé, mais je crois qu'elle en avait encore le sang glacé par les événements. Donc, même si la bourgeoisie craint une révolution, elle va justement à un moment donné privilégier la discussion avec des intermédiaires qui ont été les syndicats après la grève générale pour éviter justement des grèves et des confrontations. Donc on est plus dans une culture de consensus que de confrontation, je dirais. Dans les semaines qui suivent, et je dis bien les semaines qui suivent, presque partout, les employeurs entrent en négociation avec les salariés et accordent des augmentations de salaire
Vous pouvez regarder toute l'histoire de la Suisse de 1848 jusqu'à aujourd'hui. Jamais des augmentations de salaire comme ça n'ont été accordées. Le temps de travail a été radicalement réduit. Ce fut la plus importante réduction du temps de travail de toute l'histoire suisse. De 59 heures à 48 heures, soit 11 heures de moins par semaine. Vous avez une explosion du nombre de conventions collectives signées au sortir de la Première Guerre mondiale. Avant 1918, il n'existait guère de négociations entre les organisations patronales et les syndicats. Après la grève générale, ces négociations avaient lieu en permanence et des accords plus étendus ont été conclus. Dans l'industrie, on passe des accords nationaux et des conventions collectives sont même conclues à l'échelle de tout le pays. Je dirais que la grève générale a été dans ce sens un événement démocratique, une tentative du mouvement ouvrier organisé de passer enfin de la rue à la table des négociations. Camarades, nous vivons à une époque très dangereuse. En Allemagne, Adolf Hitler s'est emparé du pouvoir. Le Parlement allemand est la proie des flammes. Notre liberté est en jeu plus que jamais. En Italie, c'est Mussolini. Et en Allemagne, c'est Hitler. Nous devons aujourd'hui envisager ce qui pour nous en tant que sociaux-démocrates n'était pas envisageable jusque-là. Les émules de Mussolini et d'Hitler sont bien à l'œuvre et sont actifs même dans notre pays. C'est ça. Exactement ça. Perfetto. Nous devons contre ces juifs, et en particulier contre ces judéo-marxistes, nous battre sans pitié. Messieurs, ce poison distillé chaque jour, qui infecte nos belles valeurs, en dose anodine. Oui, c'est ça. Infecte nos belles valeurs en doses anodines. Aucune loi, voire constitution, n'est capable de l'éliminer. C'est parfait. Emil Sonderegger était un militariste pure souche. Il est même devenu chef d'état-major. Mais la lenteur de l'administration militaire l'irritait. Il avait une autre vision des choses. Il a démissionné au début des années 20. Par la suite, il est resté obnubilé par le danger potentiel d'une révolution communiste. Et il se demandait comment on pourrait y faire face militairement, ce qui l'a finalement rapproché des frontistes. Dans les années 30, Emil Sonderegger était l'un des frontistes leaders de Suisse.
C'était une personnalité importante de l'extrême droite. Il tenait des discours, il a rédigé des pamphlets, il a écrit un livre, Ordnung im Staat, une œuvre au propos d'extrême droite soutenue. Et il a également tenté d'insuffler cette idéologie à l'organisation frontiste. Et dire que le colonel divisionnaire, Emil Sonderegger, qui voulait, contre nous, rétablir l'ordre à l'aide de grenades offensives, se donne le titre de Führer de la Suisse. Hein? Tu te souviens encore, hein, Tesoro, de la magnifique journée qu'on a passée tous les deux à Rome, hein, et de cette passion indéfectible pour la patrie. Oh, quelle leçon. Mozzafiato. Mozzafiato, c'est juste. Robert. Tu crois que j'ai le temps? C'est le plus important discours de ma vie. J'ai 24 heures, comme lors de la grève générale. T'es malade et tu vas retourner rapidement au lit. Camarades, sociodémocrates, le camarade Grimm est souffrant et m'a demandé de vous lire le discours. Mais tous ces mots sont aussi mes mots à moi. Camarades, nous devons prendre aujourd'hui une décision capitale. Vous vous souvenez de Emil Sonderegger, qui en 1918, avec ses troupes, a écrasé notre grève générale. Jusqu'à ce jour, c'était une des principales raisons qui nous poussait de manière catégorique à nous opposer à l'armée. Aujourd'hui, la situation a hélas dramatiquement pris un autre tour. En Allemagne, nous avons Hitler. Et plus au sud, Mussolini. Camarades, le moment est venu de défendre notre pays contre la menace représentée par les fascistes. De sauvegarder notre démocratie et nos valeurs par tous les moyens, également avec l'armée.